chaud, j'ai le ventilo, j'espère qu'il fait pas trop de bruit en arrière-fond, mais j'ai pas le courage de l'éteindre. Bref, je vais commencer donc par prendre un crayon blanc et je vais tracer les grandes lignes de mon illusion dans le contour du pain et puis aussi les divers éléments qui sont à l'intérieur, donc tous les légumes et la viande. Faut pas que je suive complètement la forme de mon mollet qui est un peu galbé comme ça. Donc on va le faire à peu près de cette longueur là, hein, voilà. Donc il va aller de là à là, ça fait un rectangle. C'est pas facile de donner la forme 3D là sur la jambe, c'est super perturbant pour mon cerveau, c'est une des étapes les plus difficiles en tout cas pour moi. J'ai du mal à avoir une vision dans l'espace quoi, j'ai du mal à tourner les choses, voilà, c'est pas mon point fort. Mais bon, on va y arriver petit à petit. Là il y a le pain quoi qui fait ça normalement, et là il y a celui-là là, qui est ici. On verra pas l'intérieur parce qu'il y aura tous les légumes dessus. Mais bon, je le mets pour avoir des repères en fait. C'est compliqué. Voilà, je voulais faire quelque chose de simple, mais ce n'est pas simple du tout. Je vais rajouter tous les éléments de mon sandwich avant de commencer à peindre. Donc je vais commencer par le chorizo. De place, j'ai l'impression d'avoir fait un petit peu trop gros. On verra. Alors, le saucisson. Donc, j'ai peur de me mélanger les pinceaux, mais je vais essayer d'être précise. Ensuite, on a une rondelle de saucisson là, comme ça. Puis on en a une en dessous. Et on en a encore une au coin là-bas. Après on va mettre les filets de dinde là, les tranches de dinde. Donc il y en a un qui est là. Voilà, et qui va jusqu'au saucisson là, comme ça, tac. Il y en a même eu un morceau là, comme ça. Et un morceau ici, voilà, tac. J'espère que je filme. Sinon je vais pleurer. Ouais. Ensuite on a concombre, tomate, piment, oignon rouge. Oh, il reste pas beaucoup de place. Ça va être compliqué. Alors on va mettre, je ne sais pas. Ce que je vais faire c'est que je vais enlever cette ligne là du coup maintenant parce que j'en ai pas vraiment besoin. J'ai l'impression comme ça là, que j'ai un peu plus de place pour mettre mes légumes en fait. Donc je vais mettre un concombre par là, tac. Après j'en ai un autre vers le milieu. Après j'en ai un troisième petit morceau de concombre par ici. On va le mettre par là. Voilà. Ensuite on va rajouter les trois tomates qui sont sous notre concombre. On en a une par ici. Et on en a une autre là-bas. Voilà. Bon, jusque-là, tout va bien, j'ai l'impression. Je vais rajouter les trois petits morceaux d'échalotes qui sont, voilà, au milieu de tout ça. Donc j'en ai une par là. Je vais mettre une échalote par là qui ressort, voilà. Oups. Ah. C'est un peu le bordel là. On n'y voit plus rien. Bon, après il y aura toute la salade. Mais la salade, je pense que je la mettrai à la toute fin quand j'aurai peint tout le reste. Sinon là, je vais vraiment plus rien y voir. Ok, bon c'est parti donc pour les premières couleurs. Alors, je vais commencer par peindre la couleur de base du pain. Maintenant, je vais rajouter la couleur du chorizo. Ma peinture elle est un petit peu trop liquide là. J'ai mis trop d'eau là. J'ai mis beaucoup 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 trop d'eau dans ma peinture. Tant pis hein. Alors là il y en a un mais je le vois plus. Ouais, il doit être là. Et le dernier morceau de chorizo qui est par ici. Je vais peindre le saucisson maintenant. Saucisson qui est bon. On en a un morceau ici. Alors attends, qu'est-ce que j'ai fait là?
ensuite on en a un roulé, je le vois plus trop, je sais plus trop ce que j'ai fait là. Mon saucisson, là on le voit plus du tout, en gros il est par là. Maintenant on passe à la dinde, donc j'ai fait un beige assez clair. Du concombre. Alors, que je me trompe pas, mon concombre il est là. Et après j'en ai un troisième au bout. Je le vois plus trop. Il est par là. Il est un peu trop gros, bon c'est pas grave. C'est parti pour les tomates. Continuer là avec les légumes, je vais rajouter la mie sur le côté là et un petit peu ici. Je crois que j'ai pris un pinceau qui est beaucoup trop gros. On va voir. Ouais, non, ça va pas du tout le faire ce pinceau. Je prends un plus petit pinceau. Un plus petit pinceau. Je sais pas si c'est ma jambe, mais la peinture elle s'applique super bizarrement dessus. C'est pas comme d'habitude. Je comprends pas. Un peu space. Alors, on en a un petit peu là-dessous aussi. Je vais maintenant commencer à rajouter des détails et je vais commencer par le pain. Je vais utiliser ce marron un petit peu caramel. Je vais venir le tapoter sur la peinture pour lui donner du relief. Encore plus foncé là, à la base pour donner plus de relief et lui donner un effet bien doré. Je vais en mettre un petit peu là en haut. Alors maintenant je vais éclaircir la croûte du pain avec cette poudre là. Je sais pas si vous le voyez. Là. Hop. À mon pain, des petites, comment dire, des plis, des, voilà, des trous. Je vais éclaircir un petit peu là, cette zone avec de la peinture blanche crémeuse. Je vais aussi éclaircir un peu en bas là, à ce niveau. Mettre du blanc là sur la mie en fait parce qu'elle est un peu bizarre, elle me plaît pas trop. En fait j'essaie de texturiser la mie. Si l'effet est trop lisse, ben forcément ça ressemblera vachement moins à de la mie de pain. Et après je vais faire pareil avec du plus foncé pour matérialiser les trous d'air, enfin dans la mie quoi. Voilà, c'est un petit peu mieux, c'est un peu plus texturisé. J'y vois rien du tout. J'ai tellement mal au genou, j'ai même pas fait la moitié du make-up. C'est horrible, ça fait trop mal en fait. Ouais, j'ai peut-être pas pris la meilleure angle en fait, ça aurait été plus simple si j'avais été droite. Là j'ai le truc tourné, donc ça fait super mal. Enfin bon bref, là j'ai fait du marron foncé et je vais venir rajouter des petits trous dans la mie et dans la croûte avec un pinceau super fin. Mais il y a trop d'eau. Et oui, Jamie, tu fais des bêtises. Je déteste quand je fais ça. Oh, insupportable. Bon, je recommence. Voilà, je vais en mettre un petit peu en bas. Là déjà, je vais faire le dessous. Là,
pareil, je vais faire la même chose avec une couleur claire. Je vais rajouter des trous. Pas la peine que j'en mette partout parce que après il va y avoir la salade. Mais quand même, j'essaie d'en mettre pour que ça se voit quoi. Utiliser mon autre main parce que sinon je vais mettre. Je mets du gris un petit peu plus foncé pour faire des trous dans la mie qui se voient un petit peu plus. Là je vais mettre du blanc. Je vais rajouter des petits éclats de lumière, enfin matérialiser un petit peu la croûte du pain en fait, avec un beige assez clair. En fait je fais des tout petits points et des petits traits partout et ça va me prendre hyper longtemps. Passer au chorizo et là j'utilise une ombre à paupières comme ça. C'est difficile hein, de trouver la couleur chorizo, mais je vais utiliser ça déjà pour commencer, puis après on mettra des nuances plus foncées et puis du blanc pour faire le gras là, à l'intérieur. En fait je mets cette ombre par-dessus la peinture pour unifier, déjà combler les endroits où la peinture elle est pas très bien étalée et avoir une couleur un petit peu plus foncée. Bon, mais je vais donner un peu de relief au chorizo. Je commence par mettre du blanc pour faire la tranche là. Maintenant, on va rajouter les petites taches de gras. Sinon, ça serait pas du chorizo s'il n'y avait pas de gras. Donc voilà, on en met un peu partout. Je tapote un peu, ça se voit un peu moins. Alors, maintenant je vais rajouter ce rouge sans la rouge foncé sur le chorizo pour donner un peu de relief. Et par contre, ce là ça ne va pas du tout. Beaucoup trop gros. Alors maintenant pour ajouter encore un peu plus de relief, j'utilise de la poudre noire. Et en fait ça crée une ombre plus renforcée. Alors maintenant je ne sais pas. Pour donner un effet un petit peu plus brillant au chorizo, je vais rajouter du blanc pour le faire... Qu'est-ce que j'ai dit? Un effet plus brillant ou un effet plus gras? Un effet plus gras, je vais mettre du blanc, voilà, par-ci, par-là. Je suis toute sale. Beaucoup plus. Et on va faire la même chose là sur le saucisson, la dinde, je crois que c'est de la dinde, je suis pas sûre, les tomates, les concombres, etc, etc. Alors là on a deux tranches, on va faire d'abord celle qui est à l'extérieur. C'est hyper dur de peindre sur son mollet dans cette posture. Et un peu au-dessus, il y a une autre tranche. Mais on n'arrive pas à la faire. Super. Et la dernière. Alors celle-là, j'ai eu un petit peu de mal. Je sais pas comment je m'y suis pris, mais je sais pas trop ce que j'ai fait. Hein. En fait, ça fait un machin comme ça. Et il y a une autre tranche par-dessus. Hein. Voilà, bon maintenant je vais faire toutes les taches de gras, mais je vais commencer hors caméra puis je vous montrerai juste la fin quoi. Ensuite on va venir foncer le saucisson. Le saucisson. Alors
Alors je vais renforcer un peu ce que je viens de faire là, le noir, mais cette fois-ci je vais mettre de la peinture. Parce que la poudre c'est un peu difficile à appliquer quand c'est avec un pinceau super fin. Donc ce sera un peu plus simple avec un pinceau, avec de la peinture je veux dire. Pour l'instant, je vais faire que ça et je vais passer au. Non, je vais mettre du blanc, j'ai oublié. Et après, je vais passer à la dinde. Donc, je refais un peu les taches de gras là parce qu'elles ont un petit peu disparu. Je pense qu'on est pas mal. Bon, je vous ai épargné la dinde là, hein. Je l'ai fait hors caméra parce que voilà, c'était la même chose que les autres jambons quoi. Donc, voilà. Ensuite, on va passer au concombre, mais d'abord, je vais juste faire un petit trait là, tout fin, pour un petit peu mieux délimiter les jambons. Et ici, un petit peu mieux fait là. Maintenant, je vais mettre la tranche des concombres. Que j'ai hâte d'avoir fini. J'ai perdu mon vert que j'ai fait, mon mélange. J'ai mélangé du vert, du noir et du bleu pour faire un vert un peu foncé quoi. Je ne sais pas. Bon, cette tranche n'est pas bien coupée, tant pis. Hein. Ensuite, la dernière. C'est mon pinceau là, il est nul. Hein. Faut que je le. Voilà, il est tout tordu, c'est pas facile à utiliser en fait. Voilà, j'ai fait des tranches tout pétées là. Bon, voilà, écoutez, on comprend que ce sont des cornichons, pas des cornichons, oui tout à fait, des concombres quoi. Après je vais mettre ça par dessus, d'accord, mais je vous le montre pas, hein, parce que l'on s'en fout. Mais je vous le dis, parce que je triche pas. Alors là, avec la peinture blanche, je viens éclaircir le milieu de mes cornichons encore. C'est la même famille, hein. De mes... voilà, tout à fait, mes concombres. Comme ça, après, je vais pouvoir ajouter les pépins à l'intérieur. Pour les pépins, je vais utiliser du vert. J'espère avoir la bonne couleur. Je suis pas sûre. J'allais essayer, mais je n'ai pas sûre. Voilà, en mettant un petit peu de blanc, je pense autour, ça va permettre de faire un petit peu ressortir les pépins. Et donc du coup, je prends mon petit pinceau gris fin, et je vais venir éclaircir tout ceci. Je commence à péter un plomb. Joli main. Bref, tais-toi ça. Oh là là, mais mets de l'eau dans ton pinceau, pauvre fille. Ensuite. Ici, ça sera un petit peu plus facile. Mais qu'est-ce qu'elle a, cette peinture? Ça n'écrit rien. Il n'y a pas de blanc qui se pose. Que se passe-t-il? C'est très étrange, tout ceci. Comprenons pas très bien. Oh là là, je suis énervée, ça, il faut que je me calme un petit peu. Alors, dit-elle en reprenant de plus belle. Je continue donc avec le blanc et je vais venir un petit peu ajouter des petites taches là sur la peau. Parce que c'est pas vert comme ça, c'est irrégulier quoi. Et ensuite, on va faire les tomates. Je n'en peux plus de la vie. Comment vous dire? Je suis fatiguée, j'ai mal au dos, j'ai mal aux jambes et j'ai mal aux fesses. Sinon tout va bien. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait ici deux tomates. Et je vais faire la troisième ici, qui est très très mal faite pour l'instant. Donc je commence par mettre un rouge, vous voyez, un rouge foncé comme ça, fire. Et je fais la tranche de la tomate. Gigi, qu'est-ce que tu fais? C'est pas pour les chats ça, c'est de la peinture, ça se mange pas. Mon chat souvent, enfin souvent non, parce que je pense qu'il serait mort sinon. Des fois je me surprends en train de boire l'eau de mes pinceaux quoi. Il paraît que un chat est un animal qu'on peut pas empoisonner. Ben, un chat, je vois. Il adore l'eau de mes pinceaux. Alors, ensuite, on va foncer un petit peu plus la tomate avec cette espèce-là de rouge sang. Je sais pas si vous voyez ce que je fais, celui-là. Hein. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter du blanc avec du fard gras pour éclaircir un peu le cœur de la tomate. Et on va
va rajouter à l'intérieur du cœur de la tomate la chair, en fait, avec les pépins. Les pépins. Oh, je suis énervée. Je me rappelle plus trop à quoi ça ressemble une tomate. On fonce un peu là pour donner un peu de relief. Et on va mettre du blanc. Cette fois-ci, c'est de la peinture blanche. Oh, faut que j'arrête de faire ça parce que tout à l'heure j'ai mis de l'eau sur mon pain. Bon, ma batterie s'est éteinte. C'est bon. Pendant que j'étais en train de peindre les reflets de lumière, donc je refais un petit peu pour vous montrer. Pardon. Non, j'ai cru que j'allais retirer mieux, mais en fait pas du tout. Ensuite, je vais en remettre un petit peu sur la première tomate. J'ai envie qu'elle brille un petit peu plus en fait. Pardon. Oh là, qu'est-ce que j'ai là? Pourquoi j'ai éternué comme ça? Je suis contente parce qu'on va pouvoir enfin ajouter la salade. Alors, pour la salade, je vais utiliser une peinture verte, super flashy, celle-là. Depuis que j'ai commencé ce make-up, je vous explique, je suis en stress parce que ma caméra, elle, au lieu d'être droite, est comme ça au-dessus de moi. Et je l'ai faite tomber déjà une fois et j'ai pété le filtre UV. Mais là, si elle tombe, je casse ma lentille. On va arrêter de parler de ça parce qu'on va se porter malchance. Mais du coup, j'ai tellement hâte d'avoir fini pour pouvoir reposer ma caméra droite. Voilà, bref. Je passe à la salade avec ce magnifique vert salade, vert iceberg. Oula, j'en ai mis beaucoup là. Et on va dessiner de la salade coupée en lamelles. On n'est pas obligé de s'appliquer beaucoup parce qu'après ce qui va donner l'effet salade, ça sera toutes les nuances. J'ai beaucoup de mal avec cet ordinateur, je suis en train d'utiliser un portable et j'y arrive pas du tout. Allez, c'est parti. Ce pinceau est cassé, tout à fait. Bon, c'est pas grave. Allez, on fait de la salade. Voilà, comme vous pouvez le voir, je ne fais pas ça très très bien. On s'en fout, hein. Là je fais grossièrement comment je veux que ma salade soit disposée. Et c'est après que je mettrai les couleurs, les ombres, etc. C'est juste là pour... Je vais utiliser ma main gauche, hein, parce que sinon je vais... Bon, pour l'instant ça ressemble à rien, mais ça sera mieux tout à l'heure. Alors maintenant je vais un petit peu donner de relief à mes morceaux de laitue là. Et j'utilise un verre comme ça. Je ne sais pas par où commencer. Bon, c'est pas évident ça, j'y vais doucement parce que je sais pas trop où mettre les ongles. Ensuite, pour donner une impression de salade qui vient juste d'être lavée et qui est encore humide, on va rajouter du blanc. Cette fois-ci, c'est de la peinture à l'eau avec un pinceau tout fin. Et en fait, je fais des points, je fais des formes, je sais pas trop ce que je fais en fait. Des points, des lignes, des trucs tordus, juste pour faire comme s'il y avait de l'eau quoi, qui est encore dessus. C'est un peu long, je vais pas vous montrer tout, mais... Alors on va rajouter de l'ombre là où il y a de la salade, parce que ça n'a pas de sens sinon, il faut que ça soit foncé dessous. Donc j'utilise une ombre à paupières un petit peu taupe, pas vraiment grise mais ouais, beige foncé. Et j'en mets juste en dessous de la salade. Là ça projette de l'ombre quoi. Et je vais faire pareil sous les morceaux de salade ici. Je vais utiliser un pinceau petit. Facile les ombres, je le fais pas forcément très bien. En plus, je suis fatiguée donc je vais très bien m'appliquer. Ça va le faire. Voilà, c'est un petit peu mieux. J'ai presque fini. En fait, il faut que je rajoute les oignons roses, oignons rouges. Donc, je commence par mettre de la peinture, du fard gras blanc et je fais dépasser les oignons. Là. J'aurais peut-être dû prendre de la peinture à l'eau en fait.
J'ai un petit peu compliqué la vie là. Bon, c'est pas grave. Je vais, tant pis, je vais repasser par-dessus avec la peinture blanche. C'est pas plus simple. Je mets... Ça ne va pas marcher. Forcément, si on met de l'eau sur de la graisse, il ne se passe rien. Je n'aurais pas dû faire ça. Je suis con alors. Bon, alors, c'est pas grave, on panique pas. On prend de la peinture, de la, je veux dire, de la l'ombre à paupières blanche, comme ceci. Et on le met par-dessus le fard gras. Et il ne se passe rien. Il va falloir mettre pas mal de couches, je pense. De toute façon, l'oignon, c'est un peu transparent, donc c'est très bien. Après ça, là, je voulais mettre des piments, des jalapenos. Mais en fait, je vais mettre des olives, comme ça, ça mettra du noir. C'est joli, les olives noires. Alors, ensuite, je vais utiliser ce rose, là. Et je vais le mettre pour faire la tranche de mon oignon rose. Rouge, rouge. Ouais. Je vais essayer de mettre de la peinture blanche, j'espère que ça va marcher. Je vais un petit peu accentuer entre les lignes là parce que du coup on voit plus très très bien. Donc je remets un petit peu de mauve. Ok, il me reste à mettre des olives et j'ai fini. T'es pas en train de filmer en fait. Zut, bon je pensais. Alors je suis en train de faire les olives. Je vais en mettre 3. Et là j'en mets juste un morceau. On n'a pas beaucoup d'avoir. Ensuite je vais utiliser mon fard gras blanc et je vais rajouter un peu de relief, surtout les faire briller quoi. Bon ça là elle va être sur le côté. On verra que la tranche. Une olive c'est pas tout à fait noir, ici c'est un petit peu marron. Là je chipote hein. Je chipote beaucoup et là je vais faire briller un petit peu. Donc, j'ai déjà commencé ici, voilà. Voilà mes petites olives noires. Bon, mais il faut que j'aille chercher ma planche à découper pour poser ma jambe dessus, que je peigne autour histoire que ça fasse vraiment un effet, un bel effet quoi. Et puis après on a fini. Waouh, je suis trop contente. Alors, on est presque à la fin. Maintenant il faut arriver à bien centrer l'assiette. L'illusion soit sympa, il faut aussi que je sois à l'aise. Voilà, on va mettre l'assiette, la jambe comme ça. Donc maintenant, pour une meilleure illusion pour la photo finale, il faut que je peigne ma jambe autour là en blanc. Bon, mon blanc n'est pas très blanc. J'ai presque fini là. Je sais que je dis ça depuis une heure, mais. Là j'ai vraiment presque fini. Par contre mon sol il est tout pourri là autour. J'ai l'impression que c'est dégueu. Donc avant de faire la photo je vais tout sortir et tout nettoyer. Parce que ça me dégoûte. J'aimerais bien que ça soit propre pour faire une jolie photo. Alors ça là, ce que je suis en train de faire, c'est pas évident parce qu'en fait il faut que le blanc là sur ma jambe soit aligné avec le blanc de l'assiette. D'ailleurs ici là j'ai l'impression que c'est pas tout à fait, qu'il manque un peu. Et c'est pas facile parce que des fois j'en mets trop. Ah mince, j'en ai mis sur une série. Et il faut pas que je bouge parce que si je bouge, ben forcément, après je suis plus placée au bon endroit. Donc j'admire beaucoup Mimles qui fait des peintures sur ses jambes parce que c'est vraiment beaucoup plus difficile que ce que je fais d'habitude. Je vois rien du tout en fait parce que je peux même pas regarder dans l'écran là. Sinon mon dos se casse, je pense. Voilà, j'ai vraiment hâte d'avoir fini parce que j'ai mal partout. Je vais finir tout ça hors caméra et après on va prendre une photo. J'espère réussir du premier coup et après on va avoir très faim. Enfin, d'ailleurs on a déjà très faim.